Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'Épouvantail par Michael Connelly. Il s'agit d'un livre policier ayant pour personnage principal le journaliste Jack McEvoy, travaillant pour le Los Angeles Times. Le livre débute avec le licenciement de Jack et son envie de partir en écrivant un dernier article qui lui vaudrait la postérité et rendrait son départ amer pour ses chefs. Une sorte de pied de nez au destin et à ceux qui trouvaient son salaire trop élevé. Il reçoit alors un coup de téléphone de la mère d'un suspect, expliquant que son fils de 16 ans n'est pas le meurtrier que le Times avait décrit dans un article publié quelques jours plus tôt. Le meurtre en question est plutôt sordide, et l'adolescent noir, membre d'un gang et habitant un quartier gangréné par les trafics de drogue, semble un coupable parfait. Quant à la victime, il s'agit d'une danseuse exotique s'effeuillant pour quelques dollars dans des boîtes de striptease, danseuse retrouvée morte dans le coffre de sa propre voiture avec une mise en scène macabre. À l'origine, Jack McEvoy avait l'intention d'écrire un article sur la rencontre entre un meurtrier et sa victime, et non pas un article réhabilitant le suspect. Pour ce faire, il ment à la mère du garçon en lui promettant de prouver son innocence, s'il le peut, afin d'obtenir l'accès aux pièces du dossier d'accusation contre le jeune adolescent. Mais la vérité est loin d'être aussi simple, car dès le début du livre, l'auteur nous fait suivre les actions et pensées du tueur. Ce n'est donc pas un whodunit, où l'on chercherait à trouver qui, parmi les suspects, est celui ou celle qui a commis le crime. Ce livre mélange l'ambiance particulière des Columbo avec celle des polars hard-boiled, où l'on profite d'une description très réelle des crimes, mais aussi du substrat sociologique dans lequel ils prennent racine et des effets sur ceux qui traquent les ténèbres et leurs criminelles manifestations. Ce livre est donc à mi-chemin entre les aventures d'Harry Bosch, personnage aussi inventé par Michael Connelly, et celle de Columbo. Le meurtre est en fait une mise en scène, ce dont va rapidement se rendre compte Jack McEvoy. Sauf que le meurtrier a un coup d'avance, grâce à la technologie. Sa connaissance des réseaux et d'Internet va lui permettre d'enfermer Jack McEvoy dans un piège redoutable, traquant ses gestes et l'isolant du reste du monde, tout en cherchant à le rendre suspect aux yeux de tous. Arrivera-t-il à s'en sortir? Ses collègues et la police tomberont-ils dans les pièges tendus par le meurtrier? Pour le savoir, il vous faudra le lire, car d'autres surprises vous y attendront. Mais n'ayez crainte, la lecture en est facile, et le livre dépasse à peine les 500 pages. Il s'agit d'un style efficace qui ne délaisse pas pour autant les descriptions, aidant à se mettre dans l'ambiance et à mieux comprendre les comportements des différents protagonistes et antagonistes. Ce livre vous fera tomber dans le syndrome du « Allez, encore un chapitre ». Vous vibrerez aux dangers auxquels feront face Jack et Rachel. Oh, aurais-je oublié de vous préciser qu'il y a deux personnages principaux? Si vous avez lu Le Poète du même auteur, alors vous savez qui est cet agent du FBI et leur relation. Vous vous en doutez, cela va rendre la résolution de l'enquête un peu plus compliquée. Il est intéressant de lire un livre écrit il y a quelques années, quand Internet n'était pas encore aussi foisonnant qu'aujourd'hui, car l'on peut comparer les craintes de l'époque au réel dans lequel nous vivons. À vous, ensuite, de juger l'écart entre les deux. Mais pour ça, il faudra lire le livre, dont voici un extrait. C'était le genre d'endroit où les flics venaient pour se retrouver entre eux et apprécier la compagnie de groupies qui ne les jugeaient pas. Mais cette époque-là était révolue. Echo Park était en train de changer. Ça tournait au chic Hollywood, les flics se faisant de plus en plus évincer d'un shortstop envahi par les jeunes professions libérales qui emménageaient dans le quartier. Les prix avaient grimpé et les flics avaient trouvé d'autres endroits où aller. Il y avait encore des trucs à eux accrochés au mur, mais il n'y avait plus maintenant que les flics mal informés qui y passaient. Il n'empêche, cet endroit, moi, je l'aimais encore, parce qu'il se trouvait près du centre-ville et sur le chemin de ma maison de Hollywood. J'aimais bien couvrir les activités de la police, parce qu'en général, je racontais à mes lecteurs quelque chose qu'ils ignoraient. C'était sur les vilains trucs qui peuvent arriver que j'écrivais, sur la vie dans ses côtés extrêmes, sur les bas-fonds dont les gens assis devant un petit déjeuner toast au café n'ont aucune expérience mais qu'ils ont envie de connaître. Ça me donnait un certain élan et l'impression d'être le prince de la ville quand je rentrais chez moi en voiture le soir.